passer devant. J'aimerais bien que tu manifestes la joie. Parce que maintenant, c'est le moment qu'on va passer de la table pour manger la parole. Alléluia. Les gens se moquaient de lui. Et je vous ai appris que Dieu a déjà dit seulement des paroles. Il a donné des mesures. Il est parti. Il souffrait pour aller chercher des morceaux de bois pour construire cette arche. Il était humilié. Tout le monde l'insultait. Tout le monde disait n'importe quoi à propos de Noé. Mais lui, il savait. La parole que j'ai reçue, ça ne vient pas d'un homme. La parole que nous avons, ça ne vient jamais d'un homme. La foi, notre foi, là où notre foi est branchée, notre foi n'est pas branchée sur la vie d'un homme. Mais notre foi est basée sur un Dieu. Et la Bible dit, Noé continuait à construire. C'est-à-dire, si ton regard est fixé vers l'Éternel, si tu vois Dieu, personne ne te dira abandonne la prière. Personne ne te dira fatigue maintenant. Personne ne peut te dire quitte la volonté de Dieu. Personne ne pourra te dire laissez cela parce que tu as tant prié et tu ne vois rien. Tu auras la confiance de l'Éternel. La Bible dit il n'y avait ni pluie ni rosée à son époque. Mais lui, il construisait toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, après ce que tu feras pour Dieu, il y aura une pluie qui va tomber. Amen. Le problème c'est quoi? Quand Noé travaillait, il ne savait pas quand est-ce que cette pluie-là va tomber. Le problème quand tu pries, tu ne sais pas quand est-ce que l'accomplissement va venir. Mais il te dit simplement, priez sans cesse. Il te dit simplement, cherche ma face. Il te dit simplement, je vais agir. Tu ne sais pas quand est-ce que. Laisse-moi te dire, lorsque cette pluie-là va tomber, tu ne seras plus une femme diminuée, mais tu seras une femme élevée. Amen. Tu ne seras plus un homme rabaissé, mais tu seras un homme élevé. Amen. Parce que ton nom va se répandre. Des gens vont venir à dire, je vais être à côté de lui pour qu'on voit aussi, on marche ensemble. Je vais être à côté d'elle pour qu'on prouve qu'on est amis. Je lui ai salué en passant pour que tout le monde voit, moi aussi je le connais. Parce qu'à ce temps-là, la pluie a déjà tombé. Aujourd'hui nous parlons de la justice obtenue par la foi. La justice obtenue par la foi. Quand nous parlons de la justice, c'est-à-dire, ce monde n'est pas juste. C'est-à-dire, quand tu fais rien, mais on peut te condamner aussi, on peut te juger aussi. Et la loi de ce monde est contraire, n'est pas correcte. Tu peux sortir en disant que je suis innocent, mais la loi te condamne. Nous avons appris la fois dernière, il nous a rachetés, nous qui étions sous l'emprise de la loi. La loi nous condamne, la loi de la malédiction nous condamne, nos familles sont dans la malédiction, leur loi nous condamne, nous empêche de vivre notre malédiction parce que la condamnation est là. Je veux dire que quelqu'un puisse comprendre, alléluia. Dans certaines familles, la prospérité, ce n'est pas leur vie. La bénédiction, ce n'est pas leur vie. Les mariages, ce n'est pas leur vie. La santé, ce n'est pas leur vie. La victoire, ce n'est pas leur vie. La paix, ce n'est pas leur vie. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te parler d'une justice que tu vas l'obtenir par la foi. Nous parlons de la foi parce que la Bible me dit, injuste, le juste vivra par la foi. Il y a des choses, même si tu donnes l'explication, tu commences à expliquer, tu vois, ce n'est pas moi qui a fait ça, ce n'était pas moi, je n'étais pas là, je n'ai pas dit ceci, mais on te condamne toujours, on dit c'est lui, c'est elle. Et lorsqu'on cherche la justice, lorsqu'on veut se justifier, mais on trouve qu'on finit par tomber toujours.
Et lorsque même on se défend par rapport à la justice des mystiques qui règnent dans notre famille, moi je n'ai pas pratiqué la sorcellerie, je ne suis pas sorcier, mais la malédiction te condamne toujours. Lorsque tu dis, je dois sortir de cette malédiction, je dois sortir de ce système de la pauvreté de ma famille, mais la justice te condamne toujours. Et le diable te rappelle, dans ta famille, dans ta vie, tu ne pourras en aucun cas réussir. Et lorsque même nous pouvons faire justice pour l'église, en disant que nous sommes là pour un temps, à un moment donné nous allons partir, on nous condamne toujours. La justice obtenue par la foi. Je sais que Dieu veut parler à quelqu'un. Car Dieu veut te donner par ta foi que tu puisses obtenir justice. Tu puisses obtenir justice. Nous allons lire la Bible dans Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Soulier. Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que Noé fut averti des choses qui devaient se réaliser, s'opérer. Lui, il a vu cela avant. Il a construit l'arche. De telle manière que Noé a vu des choses qui devaient se réaliser avant. Noé sauva sa famille. Et il a obtenu cela. Il a condamné même le monde. Le monde a été condamné à cause de sa foi. Par laquelle lui, il a triomphé, il a obtenu justice. Par la foi. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre cette lecture. Noé a été averti des choses qui devaient se réaliser avant. De cet avertissement a fait en sorte que Noé puisse respecter les principes de la construction de l'arche. Et cela a pu condamner tout le monde. Noé, par cette construction de cette arche, a sauvé sa famille. Par laquelle, lui, il a obtenu justice par la foi. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'enseigne, Dieu peut te révéler des choses qui vont arriver avant que d'autres personnes ne sachent pas. Et quand Dieu révèle des choses qui vont venir, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer et faire et accomplir la volonté de Dieu. Tu vas dire, peut-être cela ne va pas arriver. Tu vas abandonner. La Bible dit, Noé avait la foi en Dieu. Et Dieu lui a averti. En lui disant, Noé, faites attention. Ce monde, je vais le détruire. Construisez l'arche. Certaines gens étaient dans la distraction. Certaines personnes étaient dans l'ignorance. Mais Noé a pu être averti. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te parle aussi pour que tu sois averti. Qu'il y aura des choses qui vont arriver, que d'autres personnes ne savent pas, mais toi tu seras au courant. S'il y aura un temps, des gens, les choses vont arriver,
toi, avant que cela arrive, Dieu t'informe déjà par la foi. La Bible dit, étant donné que Noé était averti, il a construit l'arche, il a poussé, il a envoyé le monde à la condamnation. Cela veut dire, lorsque Noé a reçu ce message, il a commencé à faire ce que Dieu lui a demandé. Quand il faisait, des autres étaient en train de critiquer Noé. Mais lorsque Noé a fini ce que Dieu lui a préparé, le monde était déjà condamné. C'est-à-dire, si Dieu t'envoie, si Dieu te demande d'aller faire quelque chose, si tu es averti, aller sauver le monde, après un temps, il y aura l'enfer. Après un temps, il y aura enlèvement. Toi, tu es prévu déjà, tu sais déjà que dans ma vie, je dois rester fidèle à Dieu parce qu'un jour, Dieu mettra fin à toutes choses. Lui, il était averti. C'est-à-dire, celui qui avertit, il y a même un terme francophone qui se dit, un homme averti en vaut. C'est-à-dire, une personne qui connaît, qui sait quelque chose, il est averti. Il sait, je ne dois pas m'amuser, je dois travailler, je dois me mettre au boulot, parce que je sais, l'Éternel va accomplir quelque chose. Il m'a déjà averti, il sait déjà ce qui va arriver avant. Je ne dois pas être distrait, je ne dois pas être distrait par des gens, je ne dois pas être séduit, faire reculer, je dois rester fidèle à ce que Dieu a mis devant moi, parce qu'avec l'Éternel, l'accomplissement arrive toujours. Un roi peut te faire une promesse, cela ne va pas arriver. Un oncle peut te faire une promesse, cela ne peut pas arriver. Un mari peut te dire aussi une promesse, cela ne peut pas arriver. Mais lorsque Dieu t'avertit, sache que tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'accomplissement viendra. Il a obtenu cela par la justice parce qu'il savait, j'ai l'avertissement. Peuple Dieu, quand je te dis que je vois des choses grandes parce que je reçois l'avertissement. Quand je dis que tu es grand parce que je vois l'avertissement. Quand je sais que Dieu va t'amener, Dieu va t'élever parce que je vois des choses qui me disent tu seras élevé. Amen. Tout commence par l'avertissement. Et celui qui prend en compte l'avertissement fera attention à ce qu'il va faire devant son Créateur. Il dira, je suis averti qu'il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Mais moi, ou qu'il y aura des mauvaises choses qui vont arriver, moi, je vais me battre. Ce que je fais aujourd'hui, pour que moi, non seulement moi je sois sauvé, que ma famille aussi soit sauvée. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé. David disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, si tu es averti, tu comprends. Quand tu vois des enfants dans la distraction, quand tu vois tout autour de toi, des gens sont dans la distraction, tu leur diras, l'avertissement est là. Un jour, Dieu mettra fin à toutes choses. Je connais l'avertissement. Je te parle par la foi. Je suis vieux par la foi, car je t'avertis aussi. Sache que Dieu mettra fin à toutes choses. L'avertissement nous permet. Quand vous avez des enfants, il y a des choses. Quand l'enfant commence à grandir, quand il veut faire quelque chose, tu dis, ça là, il ne faut pas faire, c'est dangereux. Quand l'enfant s'avance vers le goût, vous traversez le chemin, vous dites, on traverse quand le feu est ouvert. Ça pervient pour l'enfant lors de sa croissance. Lui aussi, il saura qu'on ne peut pas traverser la route comme on veut. On va traverser lorsque le feu est vert. L'avertissement t'aide à faire des choses pour même précipiter les autres dans la condamnation. Parce que lorsque Jésus va venir, il faut que tu sois prêt, toi qui es averti, en disant, je sais, il est venu, il doit encore revenir et je suis prêt. Quelqu'un qui n'est pas averti, il va seulement se marcher. Il ne sait pas, là c'est du feu. Il touche d'abord le feu, quand il brille, il commence à se poser des questions. Comment je vais faire pour dormir? Le feu me fait mal jusqu'au cœur. C'est en retard.
Mais un homme averti, quand il voit certaines choses, il dit ça, je ne peux pas le faire. Parce que je suis préparé à quelque chose. Moi, devant moi, je suis averti parce que Dieu m'étend des choses. Si je respecte ces principes-là, cela va précipiter aussi le monde dans la condamnation. Mais moi, je ne mourrai pas. Et que toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as pris compte de cet avertissement-là. Tu as appliqué les consignes données par ton Dieu. La mort ne peut pas te toucher. Lorsque la mort viendra, tu seras sauvé. Non seulement toi seul, ta famille aussi va profiter de la foi. C'est pour cela que je disais au départ, si tu es une personne de la foi, tu dois aussi contaminer la foi aux alentours de toi. Là où tu vis, tu dois contaminer la foi. Je suis une personne de foi. Ce que vous appelez folie, mais ce n'est pas la folie, parce que je suis averti. C'est pour cela que je vous dis, il y a des fois, il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je vois. Je dis que c'est là comment ça peut arriver. Mais je fais confiance à Dieu. Dieu est capable de le faire. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais voir demain. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Je te dis, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'une prévention par rapport à des bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Si les gens te regardent de travers, Dieu prépare de grandes choses. Si les gens disent c'est fini, toi tu es déjà averti. Je dois rester confiant à Dieu. Je dois m'attacher à Dieu. Je ne dois pas abandonner l'Éternel. Car je sais ce qu'on appelle folie aujourd'hui. Demain, ça sera des cris pour les démons. Demain, ça sera des cris pour mes ennemis. Demain, ça va être des cris pour dire, oh, montre-nous ton Dieu. Montre-nous ton Dieu. La Bible dit, il a reçu l'avertissement. Vous allez voir ce personnage, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Tu peux recevoir l'avertissement de ton père. Il y a des femmes ici qui étaient jeunes filles. Tu ne sors pas aujourd'hui, mais tu cherches les techniques, tu sors. Mais l'avertissement de Dieu ne joue jamais. Quand il donne l'avertissement, si tu ne fais pas attention, tu risques de périr. Noé a compris. J'ai rien vu. Il n'y a ni pluie, ni rosée. Mais je fais confiance à Dieu. Il n'y a pas l'océan. Il n'y a pas la mer. Mais je fais confiance à Dieu. Il n'y a pas de rivière. Mais je fais confiance à Dieu. Il a pris des mesures. Il m'a dit, il faut que ça soit grand. Il m'a dit, il faut que ça soit costaud. Il m'a dit, il faut que l'église soit grande. Même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas de gens. Ce qui compte, ce n'est pas la parole des hommes. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. La vision que tu as vue, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas ce que le diable te rappelle. Même si tu ne vois rien, il t'a dit, tu seras millionnaire. Crois seulement. Et seulement la foi. Prépare-toi pour cela. Commencez déjà à marcher comme un millionnaire. Commencez déjà à vivre comme une femme élevée. Commencez déjà à vivre comme une grande église. Parce que ce qu'on t'a dit, ce n'est pas l'avertissement d'un homme. C'est l'avertissement de Dieu lui-même. Et la Bible me dit, à son époque, Noé était critiqué. Même toi-même. Toi, tu as une petite famille, tu construis un grand navire comme ça. En plus, il n'y a même pas l'eau. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans ta vie, il n'y a pas l'eau. Mais Dieu est là. Toi, tu fais ta part. Au moment où sa part viendra, c'est lui qui sait comment il va mettre l'eau là où l'eau n'existe pas. Et la Bible dit, lorsqu'il conduisait Moïse, il mettait Moïse devant les enfants d'Israël. Si vous demandez l'eau, il y aura l'eau, même en plein désert. C'est-à-dire, avec l'Éternel, l'impossible n'existe pas. Des choses démesurées. C'est pour cela que j'ai dit, je vois des choses grandes. Si des choses que je vois, je dis, mais comment je peux le faire? Mais étant donné que ce n'est pas moi qui va le faire, étant donné que ce n'est pas toi qui le fera, Dieu le fera. Écoutez seulement l'avertissement. Soyez justifié par la foi. Tu n'as plus besoin d'aller se justifier. On te pose des questions comme les jugements. Vous là-bas, c'est comment? Vous là-bas, l'église, comment? Vous là-bas, c'est comment? Vous là-bas, comment? Tu commences à dire des choses. Même si tu dis, tu es toujours condamné. Même si tu donnes des explications, tu es toujours condamné.
Maintenant, gardez ta foi. Soyez justifiés par la foi. Conservez cette foi-là. Soyez justifiés par la foi. Qui n'a plus besoin de justice des hommes que la justice de Dieu s'opère. Alléluia. Je parle des choses de la foi. Dieu dit à un homme, Abraham, il dit, je te ferai une grande nation. Mais cet homme a enfanté qu'un seul enfant. Et parmi les enfants, il enfanta deux enfants. Parmi les deux, celle qui était restée avec lui, Ismaël était parti avec sa mère. Mais Dieu lui demande encore, offre-moi, donne-moi. Ce qui comptait dans sa vie, c'est l'avertissement qu'il a reçu de Dieu. Que tu sois stérile ou pas, que tu ne puisses pas enfanter, peu importe ton âge, moi Dieu, je dis, je rendrai ton nom grand, tu seras le père des nations. Ce qui compte, c'est l'avertissement. Ce que l'homme voit, il pense que les limites, Dieu peut agir de multiples façons. C'est pour cela, des hommes de foi ne tremblent pas devant certaines circonstances. Ils avancent. Quand Dieu dit, donne-moi, je vais te donner. Car je sais que lui, il me donnera au-delà de ce que j'ai. Ce que je donne à Dieu n'est pas plus fort que ce que je peux donner à Dieu. Ce que je peux offrir à Dieu, Dieu est plus riche. Il n'a pas de dimension que je peux l'offrir. Il n'a pas hésité. Il sait, l'avertissement est là. La grandeur est là. Tu demandes Isaac, je n'ai pas peur. Je viens vers toi et je vais te l'offrir. Celui qui reçoit l'avertissement est différent. Laisse-moi te dire aujourd'hui, peuple de Dieu, dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 12. Dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 12. Ton Dieu est capable de voir là où toi tu ne vois pas. La Bible dit, Jésus était dans un coin. Mais il a dit aux deux disciples, allez dans une ville là-bas. Vous avez trouvé un ânesse attaché. Et si vous arrivez là-bas, on vous pose la question. Dis-leur que le Seigneur en a besoin. On ne vous dira encore rien du tout. On vous laissera partir avec cette ânesse. C'est-à-dire, ton Dieu est capable de voir là où tes yeux ne peuvent pas voir. Ton Dieu est capable de solutionner un problème qui est à Luanda, tandis que toi tu es ici en France. Et les disciples, lorsqu'ils ont entendu cela, ils disent, maître, nous on y va quand même. Ce qui compte, quand tu reçois l'instruction, quand tu es averti, n'hésite pas, avance. Amen. Parce que là, il y a des fois dans la foi, on se pose des questions. Oh, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les gens là vont dire, si je vole l'ânesse de quelqu'un? Il a dit, si on te pose la question, dis-leur que le Seigneur en a besoin. Celui qui a la foi en Dieu, il avance. Justifié par la foi, il ne se pose pas de questions. Il dit, il a dit une parole. Mais à moi, l'unique chose de faire, c'est avancer. Et la Bible dit, les deux disciples avançaient aussi. Il avança aussi. Il progressait aussi. La parole a été déjà semée. Lui, il voit ce qui se passe là-bas. Si tu n'es pas quelqu'un de la foi, tu diras aussi, je ne vais pas avancer. Je vais m'arrêter ici. Je commence à voir ces choses-là, ça devient compliqué. Si on me prend là-bas, on me dira que je suis un voleur d'ânesse. Si je continue à avancer, on dira que non, quel Dieu, quel est ce Dieu-là qui t'envoie? Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne vas pas avancer. Justifier la justice obtenue par la foi. Donc j'y vais là-bas, mais personne ne m'appellera voleur. Je vais prendre cette ânesse, personne ne va me poursuivre. Tu sortiras là où tu es bloqué et personne n'aura la répercussion.
justice obtenue par la foi. Aucun enfant de cette église sera dans la malédiction parce que Dieu m'a mandaté de te dire. L'échec sera loin de toi parce que Dieu m'a mandaté de te dire. Et je le déclare par la foi et cela au nom de Jésus-Christ. Personne ne va te réduire parce que tu vivras la promesse réalisée, permise par Dieu. L'unique chose que je dois faire, il m'a donné une parole, j'ai reçu une instruction, je dois seulement avancer. S'il est attaché, je m'en fous. S'il appartient à quelqu'un, je m'en fous. S'il y a la sorcellerie de ta famille, je m'en fous. S'il y a un démon qui opère dans votre famille, je m'en fous. Moi, je m'avance seulement. J'ai reçu la parole, j'ai reçu l'instruction que l'âne qui est attaché là-bas va détacher lui. Moi, je dois seulement avancer. Ce qui compte pour moi, pour ne pas s'arrêter, je dois jamais abandonner la foi. Vous savez comment on dit? Tu sais, un jour, on a frappé un voleur qui a pris l'âne. Ta foi commence à baisser. Si on te prend là-bas comme un voleur, tu verras des problèmes. J'avance par la foi. Et je crois, comme j'aime toujours dire, personne ne pourra te retenir. Justice obtenue par la foi, cette corde, cette lien qui t'attache de cet arbre durant des vies, peu importe si ça vient de votre famille, maintenant j'ai reçu l'ordre de te détacher de là. Maintenant j'ai reçu l'ordre de te libérer de là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. L'ordre ne vient pas de moi. Moi j'avance seulement par la foi. Je dis la malédiction doit s'arrêter. Le temps doit changer. Une nouvelle période doit commencer. Parce que l'ordre est reçu de mon Dieu. Je dois avancer. Je ne n'hésite pas, je ne regarde pas de gauche à droite. S'il dit les autres sont des voleurs, moi je m'avance. S'il dit les autres sont des mendiants, moi j'avance toujours. Mais j'ai une mission de détacher quelqu'un dont sa vie est attachée. La Bible dit ils avancent toujours. Laisse-moi te dire, vaut mieux que vous soyez deux hommes de foi, que tu puisses avoir la foi et marcher avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que ton plus grand combat va commencer à celui qui est à côté de toi. Écoutez, les villes que nous allons pour aller délivrer quelqu'un, pour aller détacher l'âne, toi tu es déjà arrivé. Tu sais le propriétaire là, s'il est méchant ou pas. Et qui t'a dit que réellement on va nous donner? Je te dis des choses, lui il voit. Il voit là où tu es bloqué. Là où tu pleures en secret, lui, il connaît. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas de savoir où. C'est l'ordre que j'ai laissé. Que toi, tu dois être détaché. Parce qu'il ne demande pas l'âne. Seulement pour rien. Parce qu'il voulait monter sur quelque chose dont il va se glorifier. Si l'église saura comprendre, tu seras justifié par la foi. Quand les autres te parlent les choses, tu dis, la justice, je l'obtiens par la foi. Peu importe ce que vous disiez, on a écouté, tu sais, les pasteurs d'aujourd'hui de France, tu avances toujours. Écoutez, tu sais, aujourd'hui, les églises de France, tu avances toujours. Ce qui compte, c'est l'ordre qui t'a reçu. Ces lois doivent être détachées. Ce qui compte dans ta vie, tu verras ta liberté, peu importe le jour, peu importe le temps, parce que j'avance, je suis en cours de route jusqu'à ce que tu seras libéré. Et si quelqu'un me pose la question pour ta vie, pour ta destinée, pour ta santé, je leur dirai, le Seigneur en a besoin. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de vivre ta gloire. Que tu vives sa bonté, que tu vives ses bienfaits, que tu vives qu'il est vivant, que tu vives qu'il agit encore. Hallelujah. C'est ce qui fait la différence. J'ai dit dans certaines choses de la foi. Parce que moi, peut-être, je vois. Noé voyait aussi, il a entendu Dieu. Mais ce qui était la force de Noé, il a tout fait pour qu'il ne soit pas sauvé seul, mais lui ainsi qu'avec votre famille. Des choses que moi, je vois, toi aussi, tu es obligé d'être sauvé. Parce que je te conduis vers la direction qui va te mener. Je te fais ta foi. Tu es en train de me sorcellerer,
Tu veux en train de pratiquer la sorcellerie sur moi? Ma foi me justifie. Je ne serai pas vaincu à cause de la foi. Vous ne saurez pas me faire battre à cause de la foi. Il avança. Et la Bible dit, ce que lui il a dit, c'était effectivement ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la neige était attachée. Et normalement, quand ils ont commencé à détacher, directement, ils commençaient à dire, là on va commencer à fuir, parce qu'on va crier au voleur. Mais le maître est venu, le propriétaire de cette ânesse, on lui a dit, le Seigneur en a besoin. Seigneur veut dire propriétaire. Si un sorcier de ta vie pense qu'il est ta propriétaire, celui qui domine dans votre famille, qui croit que toi tu es régné sur lui, mais celui qui te demande, il est au-dessus, il dit, c'est moi le propriétaire de cette famille. C'est moi le chef de famille de ça. Il ne peut pas évoluer parce que c'est moi qui domine. Mais il y a un Seigneur qui est au-dessus de tout Seigneur. Son ordre de personne ne peut pas résister sur ça. Et la Bible dit, lorsqu'eux aussi, ils ont parlé, leurs paroles n'étaient pas contredites. La même manière que lui l'avait dit, il vous laissera partir. Lui et aussi, ils ont pris Anès et partir. C'est-à-dire, pour ta liberté, si tu as la justice obtenue par la foi, personne ne pourra s'opposer par rapport à ce que Dieu a mis pour toi. Personne ne peut empêcher la bénédiction de cette église que Dieu a mis devant toi. Je crois aux grandes choses. J'ai offert des choses à ma vie. J'ai accepté de marcher pour lui. Il y a des endroits que moi je ne voyais pas, mais je marchais toujours. Mais je sais avec Dieu, quand il te dit quelque chose, ce qu'il a promis avant, l'avertissement que tu as reçu avant, quand tu vas arriver, tu verras exactement ce qu'il t'a dit. Tu verras exactement les choses qu'il t'a dit. Ce que les autres ont tenté de dire, ce n'est pas sa parole. Mais sa parole veut en sorte que tu vives la parole qu'il a dit. Quand tu évolues, avant d'arriver au village, tu peux avoir des doutes. Mais lorsque tu vas avoir, en rentrant au village, écouter ces détails qu'il a donnés, effectivement aussi la naisse est attachée. Quand tu vas détacher la naisse, quand on te laissera partir, tu diras que mon Dieu est vivant. Tu diras que mon Dieu est en train d'agir. Tu diras que mon Dieu est en train d'opérer. Que Dieu t'aide par la foi que tu puisses obtenir victoire. Que tu puisses obtenir justice. Que de nouvelles choses commencent. Que de bonnes choses de Dieu commencent à s'opérer en toi. Parce qu'il a enseigné la foi en toi. Ce que toi tu ne vois pas, lui il voit. C'est pour cela quand il te dit va, ne commencez pas à douter. Qu'est-ce que mon oncle, mon chef de famille va dire? Qu'est-ce que l'autre là va dire? Non, ce qui compte, ce n'est plus l'instruction de ton oncle, mais respecter l'instruction donnée par ton Seigneur. Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Ici la Bible déclare, et d'être prouvé par la foi, non pas par ta propre foi, non pas par ta propre justice, mais par la justice qui vient de Dieu par la foi. Ta propre justice existe aussi. Tu veux traiter les choses par rapport à toi, non pas par rapport à Dieu. D'être éprouvé, non pas par ta propre justice, mais par la justice de Dieu. Et cette justice-là s'opère par la foi. Cela veut dire, je n'ai jamais connu la sorcellerie, mais je crois par la foi aucun sorcier ne pourra me toucher. Je n'ai jamais connu comment l'ennemi opère dans ma famille, mais je crois que par la foi, ma vie ne sera pas touchée. Parce que je crois cela par la foi en Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils voient certaines choses, ils veulent aussi les gérer à leur façon. Ils vont me voir comment je suis un homme. Ils vont me voir comment je suis une femme.
L'oncle là va voir. Non, papa, par ta propre justice, par ta justice à toi, que cette chose a duré, ça doit s'arrêter. Ta propre justice ne pourra peut-être pas changer quelque chose. Mais lorsque tu opères par la justice de Dieu, par la foi, Dieu agira. Cela veut dire, si tu utilises ton propre justice, arrête ça, ça ne va rien servir. Cherchez maintenant la justice de Dieu. Dieu n'arrête pas, ne prend pas de décision en tort. Si tu as raison, Dieu te donnera raison. Si tu as la victoire, Dieu te donnera la victoire. Si tu auras la paix, Dieu te donnera la paix. Que Dieu puisse trancher ton problème. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de pratiquer ta propre justice. Mais tu as besoin de la justice de Dieu. Écoutez la justice des hommes. Lui, comme il m'a fait ça, le jour où on va se rencontrer, je vais lui casser la gueule. Lui, comme il m'a fait ça, le col a yibingangape na ko yibahe. Mais ne pratiquez pas votre propre justice. Soyez éprouvés de Dieu. Non pas votre justice, pour que sa justice opère par la foi. Cela veut dire, même si je vois certaines choses qui ne marchent pas, je dis à moi, je dis dans mon cœur, des choses ne vont pas, des choses ne marchent pas. Je garde la foi en Dieu. Mon problème, Dieu agira. Mon problème, Dieu va répondre. Mon problème, Dieu va opérer. J'ai la foi en Dieu. Si lui, il dit une parole, cela doit s'accomplir. Je dis aussi, ce que Dieu a déclaré pour toi, cela peut se réaliser. Cela veut dire des pensées. On a parlé des gens qui étaient partis détacher l'ânesse. La justice des hommes pouvait faire qu'elle soit volée. Mais la parole de Dieu a fait en sorte qu'elle soit autorisée. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. La justice des hommes prend l'ânesse qui ne vous appartient pas et l'amener. C'était volaire. Mais la parole de Dieu, la parole de Jésus déclarée, a fait en sorte qu'il soit vainqueur. Je dis, ta liberté ne sera pas une condamnation pour quelqu'un. Que ta santé ne sera pas une condamnation pour quelqu'un. Ton élévation ne sera pas une condamnation pour quelqu'un. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Si tu veux obtenir justice, obtenez maintenant justice par la foi. Et Dieu te bénira.